la construction, quand je voyais le nombre de mètres carrés dans lesquels nous allions vivre, je m'étais tout de suite posé la question de me dire « Oula, il va falloir faire quelque chose pour la décoration ». Pour moi, c'était important de mettre de la couleur et puis aussi des mondes un petit peu pédiatriques pour les enfants. C'est pas que de la décoration purement visuelle, purement esthétique, si on peut dire ça comme ça. Il y a un côté qui peut être pratique et ludique. Oui, tout à fait, parce qu'il y a vraiment une aide aux soins, justement, pour enlever ce côté anxiogène, changer un petit peu les idées lors des soins, et puis aussi pour les moments d'attente, donc création de jeux, chercher-trouve, trouver l'intrus, tous ces petits jeux-là. Un apport aussi au niveau de la signalétique parce que c'est vaste, c'est très très grand ces hôpitaux-là et du coup les parents se perdent. Voilà, donc pour faciliter aussi des indications pour les personnes au secrétariat, on suit les petits poissons pour aller en admission, c'est beaucoup plus facile, on va au box crocodile, c'est plus visuel. L'enfant, il se retrouve dans un lit ou sur un brancard, dans un box d'hospitalisation où tout est blanc, c'est austère. Et puis là, clairement, il voit tout à coup un crocodile qui joue de la basse. Et puis, ça permet un sujet de conversation avec ses parents et aussi avec l'infirmière qui peut aussi faire des soins en détournant son attention sur ce qu'il y a sur les murs. Et ça, c'est vraiment, vraiment un plus dans la prise en charge de l'enfant. C'est ce qui me porte tous les jours, le retour des gens, de mettre des couleurs sur les murs hospitaliers, c'est les couleurs de ma vie.